c'était la grande fête. Ensemble on va y retourner. Je suis très heureux de vous revoir après tant d'années de tendresse. Mes amis viendront nous voir avec leurs souvenirs de jeunesse. Jeunesse d'hier à aujourd'hui nous permet de revivre certaines pages de nos amours. Et mon invité retrouvera sans doute les siennes et aussi plusieurs grands moments de sa fulgurante carrière. Passionnée, entière et passionnante. Elle a toujours captivé l'attention de son vaste public, qui partage toujours avec elle d'ailleurs ses grands succès et ses grands moments de cette belle carrière. Je reçois à Jeunesse d'hier à aujourd'hui nul autre que Madame Ginette Renaud. Bonjour. 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 Tu permets? Ouais, avec plaisir. Comment vas-tu, Ginette? Je vais très bien, merci. Par où va-t-on commencer? Je ne sais pas. Ce n'est pas mon par problème. Par qui va-t-on commencer? Je ne sais pas. Parce qu'il y a eu... C'est des surprises. Ben oui, des surprises. On va regarder. On m'a invité, on m'a dit, viens t'asseoir, viens parler, viens jaser avec Jacques. Ça va me faire plaisir. Ben, on va apprendre. Parce qu'on a suivi, je pense, tous les Québécois ont suivi de très près ta carrière, Mais c'est toujours Ginette. Le fun de se revoir. C'est vrai. Et de se rappeler des de moments. Toutes sortes d'affaires, oui. Hein, des moments importants de la carrière. Oui. Et on a bien hâte de savoir tout ce qui s'est passé en l'espace d'une demi-heure. C'est pas beaucoup avec la grande carrière. On reviendra deux, trois fois. C'est ce qu'on va faire. On va revenir après cette courte pause de toute façon. Combien de trophées, combien de grands moments, Ginette, ça en fait des disques souvenirs, des disques or, platine? Je sais pas. J'ai jamais compté ça. J'ai compté mes boîtes à musique, moi. Les boîtes à musique? Oui, je ramasse les boîtes à musique. L'autre jour, quelqu'un m'a demandé combien. Fait que là, je vais rentrer à la maison, puis vu que tu me poses la question, je vais vérifier combien est-ce que j'ai de trophées, mais je les ai jamais comptés. Je les ai jamais comptés. Mais mes boîtes à musique, je sais que j'en ai 79. Avec des airs différents? Ouais, tout ça, enfin, c'est le fun. Mais mes trophées, ils notent partout dans la maison. Mais quand tu as commencé... Il y a encore de la place. Oui, ben oui, une grande maison. Mais quand tu as commencé, Ginette, est-ce que tu avais l'intention de faire une carrière comme tu as connue à venir jusqu'à maintenant? Je sais pas. Tu voyais ça comment? J'ai commencé comme ça, tout bonnement. Je pensais pas. Vraiment que j'étais arrogante. Je disais aux gens, je vais devenir une grande chanteuse, des choses comme ça, mais... Je savais pas. J'étais pas parti pour... Tu sais, je pensais pas. Ouais. Mais à chaque fois, il me disait, ben, tu peux aller chercher la découverte de l'année. Puis là, il pesait tout ça, puis... Là, j'aimais ça. J'aimais ça, le sentiment de dire, de gagner quelque chose. Mais à cette époque-là, tu étais dirigé aussi par... Oui, j'ai eu du beau monde qui a travaillé avec moi. Remarque, dans ce temps-là, j'étais assez dirigé... Parce qu'on te voit ici, Ginette, en compagnie de... Je pense, Marc Châtel, ça se pourrait? Ça se peut sûr, oui, je pense que oui. C'est lui? Oui, parce qu'on était à la radio à ce moment-là. Pierre Châtel. Oui, on fait une émission de radio, c'est ça? Oui, oui. Oui, ça doit être ça. Ça a commencé comment, Ginette? Est-ce que ça a commencé par d'abord la radio? Non, ça a commencé avec Jean Simon, dans les cabarets, faire des programmes d'amateurs. J'avais 13 ans. C'est comme ça que j'ai commencé, au Café de l'Est, le premier soir. Oui. Et puis, tout de suite, ça a été une réaction? Tout de suite, ça a été bien, bien le fun. Parce que papa faisait 12 pièces par semaine dans ce temps-là, puis moi, j'en faisais un petit peu plus que lui quand je gagnais. Ah oui, parce ça a aidé bien gros. Au départ, ça a aidé énormément la maison, la famille. Ouais. Puis, fait que c'était, cette partie-là était très agréable. Ça, c'était le côté quand même amateur, là. Tu présentais avec Jean Simon, puis dirigeais un petit peu. Oui, je chantais deux chansons. Tu faisais quoi comme chanson à ce moment-là? Je me rappelle de la Madone. J'ai prié la Madone. Ah ouais, ouais. Et pourtant, moi, je l'aime. Ah ouais. Claude Vincent. Qu'est-ce que je chante? Claude Vincent, qui est le frère de Pierre Sénécal. Oui, c'est ça. Non, Claude Vincent, le frère de... C'est pas Michel Louvain? Non. Ben, je sais pas. Là, Claude Vincent, il me semble, c'est le frère de Pierre Sénécal, bien sûr. Et Michel Louvain... Non, attends une minute. Est-ce qu'il est décédé aujourd'hui, Claude? Ah oui? Il est décédé aujourd'hui. Ah bon? Je pense. Ben, il faudrait revoir nos archives. Oui.
Pourtant, on a... Je chantais oui. Ça, je chantais quoi donc? Mets des thunes dans le bastring, histoire d'ouvrir le bal, pas ton cafard, ici, à Télé Métropole. C'était les musiciens aussi... Rod Tremblay, tout ce monde-là, oui, ouais. Georges. J'ai travaillé à la Casa Luma avec Georges Tremblay, avec... C'était... Pour moi, c'était une époque absolument... L'époque des cabarets, l'époque de la Casa Luma... Mais quand on dit de Ginette Reno une passionnante, une passionnée, mm-hmm. Souvent, autour de toi, il y avait un homme qui dirigeait peut-être Monsieur, aussi. Des fois, ça a commencé avec Jean Simon, qui était mon premier impresario. Après ça, j'étais avec Guy Lepage, Gilles Talbot. Ensuite, j'étais avec Robert Wattier, qui était mon mari. J'étais avec René Angélil, un bout. Après ça, Alain Charbonneau. Puis je suis avec maintenant Yann Tremblay. Et puis ça, la différence aujourd'hui avec à l'époque pour un gérant... C'est tout à fait autre chose. Bon, on évolue aussi. Ouais. Tout parce que la carrière prend une ampleur incroyable. Oui. Plusieurs grands succès ont marqué ta carrière. Énormément, oui. Entre autres, cette dernière valse. C'était une. C'est une chanson. Il y a eu Je ne suis qu'une chanson qui était très, très marquante parce qu'on a vendu 385 000 albums. On va parler de ces chiffres-là, très intéressants, après avoir jeté un petit coup d'œil sur cette chanson, La dernière valse, de Ginette Reno à Jeunesse d'hier aujourd'hui. Le bal allait bientôt se terminer. Devais-je m'en aller ou bien rester? L'orchestre allait jouer le tout dernier morceau. Quand je t'ai vu passer près de moi, c'était la dernière valse. Mon cœur n'était plus sans amour. Ensemble, cette valse, nous l'avons dansée pour toujours. Nos peines avaient le même accord. Et puis un jour j'ai vu changer tes yeux. Tu as brisé mon cœur en disant adieu. C'est pas mal intéressant de voir. J'ai toujours trouvé ça difficile de faire du lip-sync. C'est comme du playback. Là. De faire semblant de refaire. On chante pareil. Ouais. Mais c'est que j'ai toujours remarqué que je chante jamais la chanson pareil deux fois. C'est, Même si c'est la même chanson. T'as pas le même feeling. Non, c'est fois. Jamais pareil d'une journée à l'autre. Alors, à chaque fois qu'il fallait que je répète à la maison, je me disais, j'agissais ça, faire du lip sync, ça n'a pas de bon sens. Mais t'as fait à peu près tous les cabarets de Montréal. Oui, puis de la province, de toute la province. J'ai fait la province de Québec, je ne sais pas combien de fois, mais je dirais 100 fois, puis je pense que je n'exagérais pas. Les disques, à l'époque, on en vendait, des centaines, on des en, milliers? On en a vendu beaucoup de disques. Ça aussi, je ne sais pas le nombre. Je sais des fois une chanson en particulier. Ouais. Admettons, la dernière valse, ça a peut-être été 150 000 à ce moment-là. Je sais, t'es mon amour, je suis ta maîtresse, ça a fait 200 quelque chose, 6. Oui. Mais est-ce que tu as toujours été un petit peu femme d'affaires quand tu prends des contrats ou tu enregistres des disques? Est-ce que tu regardes un femme petit peu d'affaires, le côté... Si tu parles de femme d'affaires là, pour faire des affaires puis spéculer de l'argent, tout ça, non, je suis pas très bonne là-dedans. Très souvent. Je suis pas très risqueuse. Et très souvent, en essayant d'en faire, très souvent, on en perd ou... Disons que je suis risqueuse au niveau de... Souvent, quand j'ai commencé à faire la comédie canadienne ou tout ça, je mettais ma maison en jeu pour être capable pour me produire moi-même. Ah oui, c'est vrai. J'ai fait des choses comme ça. J'ai risqué à ce niveau-là, mais... Parce que je croyais en moi, tu sais, je me disais, ça se peut pas qu'il n'y ait pas de monde. Alors, je mettais beaucoup d'argent pour essayer de... Ça a toujours bien marché. Oui, j'ai pas... Je t'offrirai un beau souvenir. Une croissant de soleil. C'est ce qu'on va regarder. D'accord. Maintenant, Jeunesse d'hier à aujourd'hui. La levée du jour et qui me laisse dans l'espoir d'un retour. Pourquoi ne pas faire durer ce matin jusqu'à
là là, à 26, 27 ans, à peu près. J'ai 28, je pense. J'ai 28 ans là-dessus. Ça a été tout un problème, ça. Le problème de poids? Le problème de poids, pour toi? Oui. De te voir comme pas, ça, c'est moi, aujourd'hui, de ce que je commence à réaliser, c'est plus... c'est une maladie. C'est pas... C'est une déficience, si tu veux. C'est... ça vient de loin. Ouais. Il y en a, c'est d'autres choses. Ouais, c'est préférable. L'argent, la boisson, je n'ai pas le mot le C, là. La drogue, je dis l'ABCDE, du monde, l'argent, la boisson, la drogue, puis mais quand tu regardes ces images-là, est-ce que tu voudrais... un jour, je pense que je vais... oui, mais j'ai des choses à mourir en ce moment pour être capable d'arriver à... parce que souvent, c'est pas la fin que j'ai, c'est une fin émotive. Ouais. J'ai pas... parce que la fin physique... je ne connais pas ça souvent. J'ai pas connu ça souvent dans ma vie. Mais c'est plutôt des fins émotionnelles. Mais par contre, grâce à cette émotion très grande... mais je pense qu'à un moment donné, vous allez me revoir. C'est le succès de la carrière. Je pense que d'ici à 45 ans... là, j'ai 43. D'ici à 45 ans, je pense que vous allez me revoir à un poids un peu plus normal. Surprise. D'autres grandes surprises vous sont présentées à Jeunesse d'hier aujourd'hui avec Ginette Renaud après ceci. La carrière internationale, Ginette. T'es allée à Los Angeles à quelques reprises. J'ai fait plein de choses. T'es allée en Europe. Moi, je vais te faire un aveu aujourd'hui. J'ai eu peur du succès. J'ai eu très, très peur du succès. On aurait dit qu'à chaque fois que ça venait puis ça arrivait, je me poussais. C'est vrai? Oui, je te jure. J'ai eu très, très peur du succès. Ça, c'est une autre chose aussi qui fait que... c'est ça, c'est une autre affaire qui m'a fait manger, ça aussi. Est-ce que la boxe t'a fait... C'est mon père. On a coupé sûrement mon père qui était à côté. C'est papa qui m'avait montré à boxer. C'était moi un de mes premiers cadeaux que j'ai eu. Ah oui, des gants de boxe. J'étais jeune, ouais, des gants de boxe. Pour te défendre. Mon père dans avait fait un aréna. Vraiment l'aréna en haut du grenier. Le ring? Oui. Le vrai, parce que papa est un ancien boxeur. Ah bon? Puis il chargeait une scène. C'est marqué, venez voir se battre Boboul avec Dudule. Ben Boboul, voilà. C'était à moi, Dudule, c'était mon frère. Une scène mercredi. Mm-hmm. Gros match. Est-ce que les matchs étaient organisés? Non. Non, c'était vrai. Non, nous autres, on n'était pas rendus dans le gros. Mais le show business pour toi, quand tu regardes, par exemple, ces nouvelles figures qui arrivent aujourd'hui et qui tentent de faire des percées à l'extérieur, tu vois ça, tu les regardes aller, puis tu poses des questions, tu voudrais leur donner des conseils. Ah, j'ai déjà donné des conseils à quelques jeunes chanteuses. La relève est belle, la relève est bonne, la relève est très talentueuse. C'est toujours... il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, pour un artiste, de quelque calibre que ce soit, dans quelque route qu'elle soit, que ce soit un comédien ou une chanteuse, ou il faut avoir beaucoup d'humilité pour être capable, à un certain moment donné, de se retirer. Surtout quand on a un égo, parce que moi, je pense que je suis une personne qui a... mon égo est assez fort. Je suis une personne qui... mais quand je les vois, je les regarde, par moments, ça me fait rêver aussi. Ça me fait revivre. Quand j'ai vu la belle Céline, quand elle est revenue d'Eurovision, ça m'a fait revivre, moi, des choses que j'avais vécues au Japon. Quand je la vois s'en aller aux États-Unis, ça me fait revivre toutes mes affaires aussi, quand j'étais plus jeune. Sous ça, très... Mais est-ce que c'est... puis la relève est belle. La relève Est-ce que c'est décevant pour toi de... je veux dire, de... d'avoir eu peur, peut-être, de continuer à foncer? Est-ce que tu le regrettes? Non, je pense que tout le meilleur est à venir. Oui. Le chemin est en avant, puis il s'ouvre. Disons que par moments, je regarde ça, puis je me dis, j'aurais pu. Mais aujourd'hui, j'ai arrêté de me dire, j'aurais pu. J'ai pas de regrets. Je regrette rien. J'ai eu, à travers ça, des beaux enfants qui sont aujourd'hui... j'ai eu quelques hommes avec qui j'ai vécu toutes sortes de choses aussi. Alors, je regarde ça et je me dis le meilleur est à venir parce que j'ai tellement des beaux projets. Et surtout l'expérience qui ne s'arrête pas. C'est ça, l'expérience, le meilleur est toujours à venir. Ça donne beaucoup de... Tout le temps. La porte est toujours plus grande. Le train s'en va, ça a été un... ça, j'ai aimé cette toune-là. Ça, c'est... comment est-ce qu'il s'appelle, donc, qui écrit ça? Le français. Et le train s'en va, c'est ça que tu parles? Je pense que... comment est-ce qu'il s'appelle le français comédien, là?
On va regarder, ça va nous... Ciboulette. Ça va nous revenir, ça va nous revenir en regardant les images non, de cette chanson. On a le temps de la voir. Ma fierté m'a empêché de sauver notre amour. Je ne t'ai jamais dit que je pleurais depuis des jours. Que mon cœur si orgueilleux te pardonnait déjà. Ma fierté m'a empêché de courir. Le train s'en va. On était loin un petit peu du blues, du soul music. Oui. T'en as toujours un peu. J'en ai toujours fait même, un petit peu sur scène, oui. Ouais. Et le jazz aussi. Avec Michel Legrand, encore oui, il y a quelques oui. années, tu nous oui. présentes. Mais c'est une carrière, ça, qui, dans le domaine du jazz, c'est difficile d'aller très loin. Est-ce que tu aurais aimé bifurquer et te diriger vraiment vers la non. musique soul music? Et... Je pense que je suis avant tout... une chanteuse populaire, une chanteuse qui... Je fais des ballades, tu sais. Je suis ouais. capable de faire une ballade, tu sais. Une... Mais je suis une personne, je pense que... Comme j'ai dit un jour, je suis une R&B, Rhythm ouais. and Blues. Mais est-ce que très souvent, les gérants qui t'ont dirigé à un moment donné, fallait qu'ils te ramènent un petit peu pour devenir plus commercial ou tu voulais te laisser emporter dans des chansons? Au début, oui. Ouais. Au début, je voulais faire beaucoup de choses. Je chantais 15 chansons en anglais. Sur deux en français. Oui. Alors, il y avait des... Ils m'ont bien dirigé à des places. On va regarder un autre souvenir. Oui, okay. Réponds-moi, Ginette Renaud. Réponds, ah ben... Ah, regardons ça ensemble. Regardons ça. Réponds-moi, cette nuit je préfère que ton cœur se libère. Qu'y a-t-il de changé? Écoute, les cils, as-tu vu mon cils? Je me prenais un galon de colle pour coller ça. Ça a-tu du bon sens? Puis je me regarde chanter, je chante un truc que ça. Non, mais ça aurait été... Quoi, ça? Est-ce que c'était ton professeur de chant qui te ben donnait... Ben non, je sais pas. J'ai remarqué ça. J'avais la gueule tout croche des fois. Je me mettais à chanter, je te rangeais comme ça. Puis, qu'est-ce que j'ai... Sais-tu ce que j'ai déjà fait un jour? J'ai déjà pris... Parce que je chantais comme ça, j'ai pris une chose à cheval, là. J'ai vu ça à un moment donné, oui. ils font ça avec les chevaux. Non, les tu sais, pour les accrocher. Oui, oui, oui. J'ai commencé à accrocher après le micro, puis j'ai dit, le son, il est pas là, là, il est là, Renaud. Mais, puis ça aussi, la bouche, je suis partagé, je sais pas. On va revenir avec Ginette Renaud dans un moment, avec ce qui se passe aujourd'hui. Réponds. Je chantais El Paso à la Chine. J'avais quoi, 14-15 ans. Puis je me rappelle, à chaque fois que je montais sur scène, il y avait un bonhomme qui était en arrière. Puis du moment que je me mettais à chanter, il se revirait de bord. Ben voyons.
J'ai-tu fait pour mieux t'entendre? Là, j'ai tout fait ça 10 jours. Au bout de la dixième journée? La dixième journée, j'ai dit, j'étais là tous les soirs. Et tous les soirs, quand je commence à chanter, il se levait d'abord. Voyons, l'insultant. Là, j'ai dit, monsieur, je m'en vais le voir, là. J'ai dit, monsieur, je voudrais savoir pourquoi, premièrement, vous êtes là tous les soirs, puis à chaque fois que je commence à chanter, vous vous retournez de bord. Et il m'a répondu ceci. J'ai trouvé honnête. Il dit, quand je t'écoute, là, tu me renverses. Mmh. Il dit, tu me désarmes, tu chantes comme une démone. Mais il dit, je suis pas capable de te regarder, tu fais tellement dur, ça n'a pas de bon. Oh non, non, et non. Ça, je te le jure. Mais il dit, attends, il dit, tu vas acquérir de l'expérience, puis il dit, avec le temps, là, je vais être capable de te regarder. Mais il dit, ça, je suis pas capable. Ben voyons. Il dit, tu as l'air bête. Puis là, je me regardais, ben rire. Mais on n'a pas... Je le comprends, le vieux, là, quand tu serviras de bord, que tu vas me regarder. Ça va pas commencer à jouer la comédie encore. Tu étais comédienne un petit peu dans certaines... Tu as fait des trucs de comédie. J'ai eu des petites affaires, m'amuser. Ça t'intéresse de poursuivre dans ce domaine-là? Oui, énormément. On s'en va vers ça, là. Et de pas laisser la chanson pour autant. Non, il y a des surprises qui s'en viennent. Des belles, oui. On est en pour parler de films, en ce moment. La comédie musicale sera terminée fin 90. Les paroles de Luc Plamondon, la musique de Michel Legrand et l'histoire de Jeannette Bertrand qui est géniale. Alors, la comédie musicale, à partir du 91, je ne vais plus monter sur scène comme chanteuse, là, seule, soliste. Je serai avec d'autres mondes. Et d'autres, dans le cadre de la comédie musicale. Et d'autres grandes surprises. Pas un petit tour, mais un petit tour en Europe, en France. Merci, Ginette, d'être... Merci, mais c'est moi qui te remercie de m'avoir invitée. Un souvenir d'éco-vedette aussi, à l'époque où tu étais... Oui. Toute petite. Allez, là. Un laminé pour toi, Ah oui? Ben oui. Oh, à bientôt, tout le monde. Au revoir. Merci. Une femme débordante d'énergie et de talent, Joanne Blouin. Retrouvez-la entourée d'amis et de proches et découvrez plusieurs souvenirs joyeux et quelques anecdotes savoureuses. Journal intime ce soir, 22h.